Donc retiens ce que je vais te dire. Dans la vie, par rapport à là où on veut aller et là où on est, il y a juste un gap. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. L'objectif de la chaîne les gars c'est de faire 100k les gars, 100k d'abonnés. Donc si tu t'abonnes pas je vais jamais y arriver. À un moment donné les gars, si on est sous les DR ou on n'est pas sous les DR les gars. Ok, moi j'essaie de vous apporter du contenu pour pouvoir vous permettre d'être déterminé, d'accord, d'être motivé pour pouvoir créer votre business en ligne et être libre géographiquement. Mais il faut me donner une petite... un petit abonnement, un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir les gars. Ici c'est Genatachi, si jamais tu ne me connais pas encore, excuse-moi, c'est de ma faute. Ok, c'est pour ça que je veux avoir plus d'abonnés pour que avoir encore plus gros impact. Parce qu'il y a des gens qui sont là dans la vie, ils savent pas. Ils savent pas ce que tu es en train. Ce que je partage avec toi, il y a des gens dans la vie, ils savent pas. Ils sont là toute leur vie, ils pensent que la vie c'est comme ça, c'est lever, métro, boulot dodo, courir après le train, pas arriver en retard et tout, glisser. Comme ça là, parce qu'il pleut à Paris, et pour eux c'est que ça la vie quoi, salarié, s'endetter jusqu'à la retraite, attendre de mourir, avec des barbecues tous les week-ends, voilà, pour eux c'est ça, alors, ils savent pas, donc les gars à un moment donné il faut propager le message, ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. Le concept, alors ça va être une vidéo rapide, je vais partager avec toi le concept qu'il faut retenir, s'il y a un truc à retenir sur toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ce concept-là, ok? Mets-le en pratique, tu sais la vie elle est simple et nous on la complique. Donc retiens ce que je vais te dire, dans la vie par rapport à là où on veut aller et là où on est, il y a juste un gap. Mais les gars laissent la salsa ou quoi là? Les gars ils dansent la salsa, ils veulent partager la salsa à tout le voisinage. Ouais, j'aime bien cette ambiance. Donc du coup, tu vois, il y a un gap. Il y a un gap entre là où toi tu veux aller et un gap où là où tu es. Donc c'est quoi qui sépare entre ton objectif par rapport à là où tu es? La seule chose qui sépare, ce sont les actions. Ce sont les actions que tu vas entreprendre pour pouvoir aller de là où tu es à là où tu veux aller. Tu vas dire, ah mais attends, mais c'est logique. Non, c'est pas forcément logique. Des fois, on se perd dans des trucs. Oui, la loi d'attraction. Oui, il me faut la dernière astuce qui vient de sortir. C'est plus facile si je fais du trading. Il y a plus d'argent si je fais du business en ligne. Influenceur 2.0. Il y a plus d'argent si je fais dropshipping. Il y a plus d'argent si je fais... En fait, on cherche toujours des trucs, tu vois. On cherche toujours des trucs. C'est pour ça que ça fait fureur, les pubs. Ouais, tu appuies sur un bouton, tu deviens millionnaire. Tout le monde teste. Tellement, c'est ouf. Tellement les gens, ils veulent pas. Ils se disent, ils veulent esquiver le concept qui est la vérité. Moi, je dis la vérité. La différence qu'il y a entre là où tu es et là où tu veux aller, ce sera toujours des actions que tu vas devoir mettre en place. Ça va être toujours des actions massives qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir atteindre son objectif. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre chose. Si tu retiens que ça, tu réussiras tout ce que tu veux dans ta vie. Moi, je vais prendre un exemple. Là, mon objectif, c'est d'atteindre les 100K, okay, les 100K d'abonnés. Bah, c'est simple. J'ai vu où j'étais, 100K. Là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dit, ouf, quand même, il y a du chemin là. Hein? J'étais à quoi? Je crois que j'étais à 5 vidéos par semaine. Je crois même que j'étais à 3. J'étais revenu à 3 vidéos par semaine. Okay, plus des genres de best-of que je faisais le week-end. Bon, j'ai vu que tout le monde n'avait rien à faire des best-of. Donc, du coup, j'ai arrêté ça. Et je me suis dit, ok, bah, comment tu fais pour pouvoir faire de 20K à 100K? Donc voilà, j'ai réfléchi, boum, déjà on repasse à une vidéo par jour. Une vidéo par jour, se concentrer sur des vidéos qui feront plus de vues. Parce que plus ça fait du vue, plus ça veut dire que vous aimez, plus YouTube push ma vidéo et plus je touche du monde. Et du coup, plus j'ai de gens qui vont me suivre et qui vont découvrir ce que je fais, tu vois. Donc du coup, tu vois que ça revient toujours au même de charbonner. Et après, évidemment, faire de la pub aussi, par exemple sur YouTube. Donc c'est ça, mais c'est quoi? C'est que des actions. Si je veux faire les 100K, il n'y a pas de raccourci en fait. Ça ne sert à rien de chercher des raccourcis parce qu'en fait, on veut toujours chercher des raccourcis. Comment je peux faire pour faire les 100K d'abonnés, mais sans rien faire? Sans si jamais genre c'est comme si il y a un gars il fait une pub, ah oui je te montre comment faire 100K d'abonnés mais sans rien faire machin, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter des faux followers, des trucs comme ça. Bon, sur YouTube ça se fait pas. Instagram, je sais qu'à l'époque ça se faisait, mais je crois que tu peux plus faire ça maintenant. Mais c'est pour ça que les gars sont tentés d'acheter des faux followers. Mais ça sert à quoi? Tu veux essayer de faire un truc le plus rapidement, mais c'est des faux followers, donc ça sert à rien en fait. Tu vois, donc ça sert à rien de chercher des raccourcis, les gars. Le gap, ça va toujours, il va toujours falloir charbonner.
Et c'est pour ça que c'est un game où les gens, ils abandonnent. Et après, ils se plaignent sur Internet. C'est, il faut charbonner, persévérer. Échec plus persévérance égale réussite. Pareil, si jamais tu veux être musicien, moi, je suis musicien de base. Si tu as un niveau ici et que tu as un niveau là, il n'y a pas de raccourci. Ben, il va falloir charbonner, donc faire des actions massives, s'entraîner tous les jours, et tu vas l'atteindre au bout d'un moment. Ah oui, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Pareil pour YouTube, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Mais si jamais je continue, j'y arriverai. Tu vois, j'atteindrai toujours l'objectif, il n'y a pas de secret. Tu vois. Ben, c'est pareil pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi pour l'argent, les gens ils essayent un petit peu. Ça leur paraît logique, par exemple, si je leur dis je fais une vidéo par jour, ben ouais, je vais attendre à un moment donné, je vais attendre les 100K d'abonnés. Et ça leur paraît aussi logique que si jamais je dis je suis musicien, je vais être bon, je m'entraîne tous les jours, ben à un moment donné, je vais y arriver. Mais par contre, quand on parle d'argent, tout le monde, ça y est, les gens, ils deviennent fous d'un coup. Oh, ils comprennent plus, ils n'arrivent plus à raisonner. Ils essayent un petit peu un mois, ça marche pas, ils gagnent pas d'argent, ils disent, oh, mais c'est pas possible, ça marche pas, c'est de la carotte, arnaqueur, c'est pas possible. Pourquoi les gens deviennent fous dès qu'on parle d'argent? C'est la même chose que les autres, pays. Si jamais tu veux faire de l'argent, ben, il va falloir charbonner. Ça va peut-être pas arriver aussi vite que tu voulais. Peut-être que ça va arriver plus vite que tu n'y attendais pas. Mais en tout cas, il faut charbonner. Il ne faut jamais lâcher de la même manière que tu le fais dans les autres domaines de la vie. Et après, une fois que tu as compris ça, tu comprends l'importance de se former. Ouais, je vais te le dire tous les jours. Parce que c'est vrai. Hein, je ne vais pas te dire autre chose, je ne vais pas te sortir un truc magique, un truc... Non, c'est la vérité. C'est pour ça que du coup, rentre le truc de se former. Parce que si tu passes à l'action et que tu n'as pas la bonne connaissance, tu vas faire des actions en fait, qui vont te donner des résultats. Parce que quand tu passes à l'action, tu as toujours des résultats. Peut-être pas les résultats que tu veux, mais tu as toujours des résultats. Donc du coup, tu vas passer à l'action, peut-être que ça va t'emmener là-bas. Ou ça va t'emmener là-bas. Parce que ce n'est pas les bonnes actions pour pouvoir aller là. Donc c'est pour ça qu'il faut se former et pour pouvoir accélérer, si on parle d'argent par exemple, pour accélérer les choses. Donc tu vas vouloir te former en marketing, en vente, la création d'un business en ligne. Tu vas te former dans ce que tu veux faire pour pouvoir générer ce cash, pour pouvoir atteindre en tout cas l'objectif que tu veux atteindre. Tu vois, je prends toujours l'exemple de quand je jouais au saxophone. Pendant des années, j'ai joué sans avoir de prof, j'étais tout seul. Je passe à l'action massivement parce que je m'entraînais 2 heures au saxophone par jour. Ben, quand j'ai pris un professeur, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, je stagne, je comprends pas et tout, rien. Quand j'ai pris un professeur, en un an, j'en savais plus et j'allais être meilleur que toutes les années précédentes où je m'entraînais tout seul. Si jamais j'avais fait les actions intelligemment parce que j'avais la bonne connaissance et je passe à l'action, comme j'ai l'habitude de dire, au niveau saxophone, je serais en orbite là. Toi, tu sais pas, j'ai travaillé de malade. Ok, donc c'est pour ça que je ferai pas la même erreur. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait la même erreur au niveau du business. Le temps, ça passe trop vite. Toi, tu crois, là, tu as 20 ans, tu crois que ça. On a le temps, quoi. Ah, je suis immortel, on a le temps. Le temps, il passe tellement vite, tu n'es pas prêt. Tu vas avoir 30 ans bientôt, tu sais même pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc tu es libre, hein, si jamais tu veux en tout cas gagner de l'argent grâce à YouTube, Instagram. Ok, tu vois, Influenceur 2.0, c'est un prix accessible à tous pour que vous puissiez tous démarrer. Et ne te fie pas au prix, la valeur qui est dedans, c'est une valeur qui vaut au moins 2000 euros, même plus. Ok, parce que tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut savoir sur le business en ligne. Ok, comment gagner de l'argent, comment être numéro 1 sur YouTube, sur Instagram, comment générer du cash avec ça, comment monétiser ça, comment créer des formations en ligne, comment faire tunnel de vente, comment automatiser ton business, comment publicité Facebook, script de vente, comment vendre par téléphone. Gars, tu as tout. Ok, j'ai même pas fini la liste. Ok, de toute façon, tu as les renseignements, Influenceur 2.0, tu cliques et je te fais un petit résumé, tu verras exactement ce qu'il y a dans ça. Mais à un moment donné, gars, passe à l'action. Si tu veux faire du trading, eh ben, ne prends pas. Reste focus sur un seul truc. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.